Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bienvenue sur cette chaîne et Savoir sans limite. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques trucs. Quand on dit quelques trucs, mais maintenant je vais vous montrer comment installer Driver et pour utiliser les mobiles sur votre PC. Et je vais vous montrer comment installer Driver pour LG. Quand on dit les mobiles, et tout mobile LG, et si on ne veut pas dire Driver, on veut dire Install Shield. C'est Install Shield. Et on va voir ça si vous avez un module LG ou LG Mobile. Vous le connectez sur votre PC et ça ne marche pas. Mais maintenant, après avoir utilisé mes trucs, je vous conseille que ça marchera bien. Et on va voir ça après la pause. Bye bye, ciao. Bien, on est de retour. Maintenant, on va installer le driver. Pour installer le driver, vous devriez accéder à mes fichiers ou File Explorer. Si vous avez déjà téléchargé le driver et que vous avez le vouloir d'installer sur votre PC. Maintenant, on est accédé. Ok. Bien. On cherche le driver maintenant. Peut-être ici. Maintenant, voici le driver, ce que je cherche. Maintenant, on va faire un clic droit sur logiciel. Je vais installer. Vous voyez, un clic droit, puis descend sur Windows Administrator. Et vous devriez choisir n'importe quelle langue que vous avez le vouloir. Ou la langue que vous puissiez parler. Maintenant, moi, je clique sur cette langue, puis Next. Patientez jusqu'à la finalisation de l'installation sur logiciel. Un petit moment. Installation. Suivant. Ça peut prendre quelques minutes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas rater l'une de mes contenus. C'est-à-dire que vous allez notifier de tous mes contenus sur cette chaîne. Merci. On attend l'installation, la terminaison ou la finalisation de l'installation. Maintenant, c'est terminé. Si vous avez quelque chose à nous expliquer ou à nous faire comprendre de cette vidéo, ça, vous allez l'écrire dans la description au-dessous de la vidéo, dans les commentaires. Je vous attends les écritures. Merci. C'est terminé maintenant l'installation. Lorsqu'on est fini par installer et le logiciel, on clique sur OK. Vous voyez, OK qui a pour définition All Correct ou Tout est correct. C'est-à-dire on a terminé d'installer le logiciel correctement.